Salut, salut et bon matin. Alors aujourd'hui, jour numéro 2 pour l'installation du système d'aquaponie. Là, si tu as besoin de niveler ton système, dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est de faire une petite pastille de mortier ou de chaux. Ce que j'appelle une pastille, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de faire des grosses dalles de béton parce que tu n'as pas envie d'abîmer ton sol. Donc dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu fais un coffrage et tu vas couler du béton, mais tu essaies de mettre une bâche en dessous. Donc je vais te voir à quoi ça ressemble aussi. Ce matin, on termine la serre qui n'a pas été terminée donc, depuis le confinement. Donc on est en train de faire l'installation des gouttières. Donc je vais te faire voir. Donc voilà mon atelier pour la journée. Donc comme tu peux voir, là je vais donc préparer la selle de sable. Tu prépares bien ta mise en place, ton eau, tes graviers, ta chaux, ta brouette, ta bétonneuse. Et là, donc moi je vais coller du béton toute la journée. Et là, on a préparé, je ne sais pas si tu te souviens, hier on a commencé à préparer tout avec la pelleteuse et on avait des découvertes archéologiques entre guillemets, c'est-à-dire du béton et du goudron. Donc ici, toujours la même, c'est là où est-ce qu'on va mettre la cuve qui est là. Là, comme tu peux voir, on a préparé tout ce qu'on a besoin ici. Et là, ça va être les deux, ce qu'on appelle les deux poutres en fait, pour pouvoir mettre les portants en bois. Voilà, donc tout est prêt. Il n'y a plus qu'à ce que je me mette à mon poste aujourd'hui. Et il y a Mickaël qui est en train de nous installer les gouttières. Donc pourquoi les gouttières? Tout simplement, comme tu as pu voir au début, donc j'ai pas pu terminer à temps, on n'a pas les obstructions. Et alors lorsque l'eau tombe du toit, voilà ce que ça fait. Donc là, ça, si tu veux, ravine. Et dans ces cas-là, je perds énormément en termes d'étanchéité dans la serre. Et ça, il en est hors de question. Donc on va récupérer les eaux de pluie en installant cette gouttière. Et les bacs. Donc ça, c'était les semis qu'il y avait dans la serre qui sont momentanément sous le noisetier. Et donc la serre va avoir à côté tous des bacs de récupération ici. Et le système d'eau va se terminer ici. Donc voilà. Donc là, il faut que j'aille à mon poste, comme tu vois. Très bonne journée et à plus tard. Tchuss.